Il est de retour dans le game. Sacré José, tu nous avais manqué. Enfin, en tout cas, moi, il m'avait manqué. C'était l'occasion de sortir ce maillot qui m'avait été envoyé l'an passé par Retro Football. Le maillot de l'Inter de 1960. Donc voilà, Retro Football spécialisé dans les maillots vintage. Vous avez le lien en description et 10% sur tout le site. Depuis le 18 décembre dernier, on n'avait pas vu José Mourinho, donc licencié par Manchester United. On se disait que ça serait difficile pour lui de retrouver un banc de touche. Alors, on parlait de lui un peu au Real, un peu au Bayern, un peu au PSG. Finalement, il reste en Première Ligue, il reste à Londres, ville qu'il adore, et il veut gagner des titres avec un troisième club anglais qui serait, je crois, une première. Avant de m'éterniser sur José, on va faire une petite parenthèse quand même sur Pochettino, qui a passé 5 ans là-bas, qui a fait d'un club très discret un candidat au titre et un finaliste de Ligue des Champions. Un parcours franchement très honorable, il a fait un super taf. Il a fait progresser énormément de joueurs. Je pense qu'il aurait dû partir après cette finale. Je le dis, je le répète dans chaque vidéo. Il vaut mieux partir au sommet parce qu'il ne pourra jamais faire mieux avec Tottenham. Son président Daniel Levy, qui est un businessman hors du commun, n'a pas voulu réinvestir l'argent de cette Ligue des Champions. Il le paye aujourd'hui. Et lorsqu'un club fait une saison incroyable, donc ça a été le cas de Tottenham avec cette épopée européenne, à l'instar de l'équipe de France avec la Coupe du Monde, il y a toujours un petit bad trip derrière. C'est ce qu'a connu Tottenham ces 6 premiers mois. Il aurait dû injecter du sang neuf à cette équipe pour recréer une certaine concurrence et remotiver les joueurs qui ont perdu toute motivation avec Tottenham. Alors il faut tirer un grand coup de chapeau à Monsieur Pochettino qui signera, je pense, du côté du PSG l'été prochain, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors Mourinho avait dit en 2015, à l'époque où il était à Chelsea, « Je n'entraînerai jamais Tottenham, je ne ferai jamais de mal aux supporters de Chelsea. » 5 ans plus tard, il a dit, comme quoi le dicton « Ne jamais dire jamais » se vérifie une nouvelle fois, parce que Mourinho n'avait pas imaginé que sa carrière prendrait un coup de stop comme il a pu le subir. Et Tottenham, je pense que c'est un club parfait pour José Mourinho. Il serait retourné du côté du Real, il n'aurait jamais pu faire aussi bien que Zizou. Il aurait pu aller au Bayern Munich, mais pareil, il y a un triplé qui a déjà été fait, il aurait pu gagner un 5e championnat différent, mais voilà, ça n'aurait pas été non plus extraordinaire. Avec Tottenham, il a la possibilité de gagner des titres majeurs, ce qui n'est jamais arrivé à ce club. Donc c'est un challenge hyper excitant. Et puis qu'on se le dise, Mourinho n'est jamais aussi fort qu'avec des clubs de seconde zone. Bon, alors bien sûr, il a eu Chelsea avec les millions et les millions. Il a réussi à faire une dream team de ouf. Avec l'Inter, qui n'était pas un cadre européen, il les a fait champions d'Europe. Avec Porto, club de seconde zone, il les a fait champions d'Europe. Alors je ne dis pas qu'avec Tottenham, il sera champion d'Europe. Mais je pense qu'il a une équipe très intéressante. On a vu que c'est un club qui a joué les premiers rôles en Première Ligue pendant plusieurs saisons. C'est un club qui est allé en finale de Ligue des Champions. Donc on va dire que l'équipe de Tottenham a les moyens de gagner des titres. Ce qui leur manque, c'est peut-être la gagne, la culture de la gagne. Et c'est pour ça que José Mourinho sera un acteur prépondérant à des futures victoires de Tottenham. Et j'y crois. Voilà, moi je pense que Mourinho va gagner des titres avec ce club. Alors je dis pas qu'il gagnera la Ligue des Champions, mais je pense que l'an prochain ou d'ici 2 ans, il peut gagner la Première Ligue avec ce club. Parce que déjà Tottenham n'a pas pu acheter beaucoup de joueurs à cause de leur nouveau stade, qui est d'ailleurs un des plus beaux d'Europe. Mais maintenant que ce stade est créé, le club va pouvoir réinjecter au fur et à mesure de l'argent pour investir dans des joueurs. Et surtout, Mourinho va aussi pouvoir faire rester des joueurs. Je pense évidemment à Eriksen, qui est annoncé partant dès janvier prochain parce qu'il sera en fin de contrat. Je pense qu'avec l'arrivée d'un certain Mourinho, il va peut-être revoir ses exigences et se dire « Ouais, il y a un projet qui est super intéressant avec le club. Finalement, je veux bien prolonger. » Je pense que c'est un deal 100% gagnant pour tout le monde. Tottenham s'attire un entraîneur qui a gagné partout où il est passé. Même avec Manchester, il a gagné des coupes. Il a gagné la C3. Il a gagné absolument partout. Il a une culture de la gagne incroyable. Plus, il a déjà gagné en Angleterre, dans 2 clubs différents. Et Tottenham n'aura jamais autant de lumière qu'avec un José Mourinho. Et Mourinho, finalement, ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Avec Manchester, il s'est trompé sur la fin. Tous les grands clubs européens sont déjà pris. Il a la possibilité de marquer l'histoire. Et il adore ça. Et il le fera, je pense. Et puis, ce Mourinho, qu'on l'aime, qu'on le déteste, moi je fais partie des pro-Mourinho, il y a beaucoup d'anti-Mourinho, c'est un homme qui ne laisse pas indifférent. Et c'est un homme qui sait saisir les opportunités. Il a travaillé à Benfica, mais finalement son premier rôle, il l'aura à Porto. Il a bossé avec le Barça,
mais son premier rôle, il aura du côté du Real. Il a gagné avec Chelsea et en plus de ça, maintenant, il veut gagner avec Tottenham. Voilà, moi, je pense que c'était finalement la formule parfaite pour tous les deux parce que on arrivait en fin de cycle avec Pochettino, qui a fait un travail formidable, je le répète. Mourinho doit se réinventer. Voilà, je pense que c'est sa dernière chance et que son erreur, notamment dans la gestion des jeunes joueurs de cette génération, il ne la fera plus. Mourinho, c'est l'entraîneur qui est encore avec la mentalité des années 90-2000, c'est-à-dire des soldats comme il a eu à l'Inter. Et il a du mal à voir que les joueurs d'aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux que motivés à gagner certains matchs. Et c'est pour ça que c'est un homme qui est très investi, mais qui des fois peut partir en clash quand ça ne répond pas de l'autre côté. Et je pense que Tottenham, c'est une équipe qui a faim de titres, notamment Harry Kane, et qui vont se mettre au service de Mourinho comme de véritables soldats. Et c'est pour ça que je crois en ce deal. Parce que Tottenham veut gagner des titres, c'est bien beau d'être deuxième, c'est bien beau d'être finaliste, mais dans 10 ans, on s'en souviendra plus. Leicester, on va s'en souvenir. Leicester a gagné la Première Ligue. Tottenham ne l'a pas gagné. Tottenham n'a pas gagné la Champions League. On s'en souviendra pas dans l'histoire. Alors, oui, certains journalistes et influenceurs vous diront « Oui, mais il y a le beau jeu qu'on retient tout ça. » Très bien, mais la dictature du beau jeu, elle n'est pas pour tout le monde. Alors moi aussi, le premier, j'aime bien voir des clubs super bien jouer au foot. Chelsea, cette année, il me régale, parce que j'adore Chelsea. Mais quand, par exemple, je voyais l'Inter de Mourinho défendre avec un Samuel Eto'o latéral gauche, ben désolé, je prenais du plaisir également. Voir une équipe défendre en Catenaccio, c'est beau aussi. Le foot, ce n'est pas que l'attaque. Voilà, le foot, c'est aussi faire des beaux arrêts, bien défendre, bien construire au milieu de terrain. C'est un ensemble, le foot. Et depuis que Guardiola est arrivé, après, c'est pas un reproche que je lui fais parce que c'est un sacré entraîneur, on est dans la dictature du beau jeu. Mourinho n'entre pas dans ça. Certains disent que c'est l'anti-Pochettino, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est un autre style, mais qui peut très bien convenir à Tottenham. Alors, pourquoi Mourinho va réussir à Tottenham? Parce qu'il a une équipe qui a faim de titre, une équipe revancharde, et que c'est un entraîneur qui a la culture de la gagne. Il va les faire bosser comme jamais, et je suis sûr qu'ils vont remonter au classement avec l'objectif cette année d'accrocher la Ligue des Champions. Mourinho qui est assuré quasiment de jouer en 8e de finale en Ligue des Champions avec Tottenham. Et ça sera pas facile de le sortir, je vous préviens. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de cette breaking news de José Mourinho à Tottenham. Moi en tout cas, je suis super hypé. Me tarde ce week-end déjà pour regarder son premier match et voir comment vont l'accueillir les supporters. Parce qu'on sait qu'entre Tottenham et Chelsea, parce que Mourinho, il est catalogué Chelsea, Blues, comment va-t-il être accueilli par les joueurs? Comment va-t-il être accueilli par les supporters? J'ai hâte de voir ça et peut-être que je ferai une vidéo sur la première de Mourinho qui est un entraîneur que j'adore. Et je vous ferai aussi une vidéo en décembre, une petite série que je vais lancer. Le premier épisode sera « Pourquoi je préfère José Mourinho à Guardiola ». Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Mourinho. Est-il fini ou va-t-il gagner? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dès demain ou dès jeudi pour une vidéo spéciale Euro. Ciao !